Seigneur Vadar, nous sommes tombés dans une embuscade à notre arrivée, mais j'ai la situation bien en... Je n'ai que faire de vos problèmes de stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Seigneur Noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Ton déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Va-t'en! Obscur a obscurci ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et maintenant, tu vas connaître le même sort. Le fils. Cours! Seigneur Vador... Avec moi. Il va en arriver d'autres. Tu étais faible quand je t'ai trouvé, mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi? Oui, maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et apporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'Empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord, les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Ah, maître! Encore un très beau duel. Proxy! Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait des années que je n'avais pas fait ce programme d'entraînement. Je le croyais effacé. Ah, en utilisant un vieux module d'entraînement, je pensais profiter de l'effet de surprise pour enfin vous tuer. Mais j'ai encore échoué, désolé. Je sais que tu rêves, Sera. Oui, mais fais-moi plaisir. Évite les embuscades. Proxy? Ah oui, votre nouveau pilote est enfin arrivé, maître. J'accède aux archives impériales. Capitaine Juno Eclipse, née sur Corulag où elle est devenue le plus jeune élément jamais accepté à l'Académie Impériale. Pilote de combat décoré avec plus de 100 missions à son actif, elle a dirigé les opérations de bombardement de Kalos. Le Seigneur Vador l'a placée à la tête de son escadron Noir 5, puis elle a été affectée à une mission top secrète. Est-ce qu'il y a aussi un profil psychologique? En fait, oui. Mais l'accès est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer.
Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, mes ordres sont clairs. Je dois veiller au bon fonctionnement du vaisseau et vous conduire là où vos missions l'exigent. Vador t'a dit qu'il avait tué notre dernier pilote? Non. Mais je suppose que s'il l'a tué, c'est qu'il avait sûrement une excellente raison. Ça va aller. Tant mieux, j'en ai assez de toujours former des pilotes. Qu'as-tu fait à mon vaisseau? J'ai pris la liberté d'améliorer la batterie de senseurs du Rogue Shadow. Vous pourrez espionner tous les vaisseaux présents dans un système donné. Vous êtes un espion de Vador. La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. En l'occurrence, nous devons nous rendre sur Narshada. Tu peux t'en occuper? Bien sûr. Proxy, montre-moi la cible. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Tu chasses les Jedi. Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Et toi aussi, maintenant. Allez, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas faits pour le combat. Il disposait donc de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clones avec lui quand l'Ordre 66 a été donné. Et après l'Ordre 66, il a disparu. Les archives officielles impériales indiquent clairement qu'il est mort. Dans ce cas, pourquoi s'expose-t-il en attaquant l'Empire ? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi ? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Narshada. Passage en vitesse lumière. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. À vos ordres. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Charge explosive au niveau 2, 5 et 12, comme prévu. Général Kota, le voilà. Enfin, tu sors de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12 et dites à nos hommes de se mettre en position. Oui, général. Eclipse à Starkiller. Je place le Rogue Shadow hors de portée de tir pendant la durée de la mission. Les scanners embarqués devraient pouvoir suivre tes déplacements. Je te communiquerai tous les renseignements que j'obtiendrai via le comlink. Eclipse, terminé. Je harcèle les positions impériales pendant des mois et Vador envoie un gamin pour m'affronter. Alors Vador ne t'a rien appris ? Mais ne crois pas que tu peux m'arrêter. J'enverrai tes cendres à Vador. Sois sans crainte. Essaye de rengainer ton sabre. Ah,
converti. Mais je peux voir ton avenir. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Je vois. Moi ? Son sabre laser. Mes espions ont localisé un autre Jedi. Kazdan Paratus est beaucoup plus puissant que toi. Je ne m'attends pas à ce que tu survives. Mais si tu le tues, tu te rapprocheras de ton objectif ultime. L'Empereur. Oui. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Je ne vous décevrai pas, mon maître. C'est incroyable. On dirait le temple Jedi de Coruscant. Proxy, est-ce que tu reçois des communications ? Beaucoup trop pour pouvoir les décoder. J'entends des centaines de droïdes, ils appellent leurs semblables. C'est ici que les droïdes viennent mourir. Pose-toi le plus près possible de cet endroit. Je vais faire de mon mieux, mais ça ne va pas être simple. Il faudra rejoindre le temple à pied. Je retourne en orbite basse. D'après les scanners, tu vas devoir passer de l'autre côté du noyau d'hyperpropulseur devant toi. Ensuite, tu pourras accéder au temple de ferraille. Bonne chance. Eclipse à Starkiller. Je détecte une importante activité derrière ce noyau d'hyperpropulseur. Juno, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que tu reçois quelque chose ? Rien d'autre que des messages de panique. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce genre de résistance. D'après les scanners, aucune source d'énergie n'alimente les droïdes. C'est comme s'ils étaient animés par... Force. Kazdan Paratus, enfin. Ne vous inquiétez pas, maître. Je saurai vous protéger contre cette vermine Sith. Arrête ça ! Tout de suite ! Ce temple est notre demeure ! Je défendrai le Conseil des Jedi. Aidez-moi. Aidez votre créateur.
suis désolé, maître. J'ai encore échoué. Juno, j'ai terminé. Kazdan Paratus est mort. Il ne te reste plus qu'une dernière épreuve. Mais je me sens prêt! Non. Jusqu'ici, tu n'as vaincu qu'un vieil homme et un paria. Tu vas affronter un vrai maître Jedi. Qui? Maître Shakti, un des derniers Jedi du Conseil. Tu auras besoin de toute la puissance du côté obscur si tu veux la vaincre. Oui, mon maître. Des assassins. Dark Vador nous a trouvés. Peut-être. Maris, rassemble tes affaires et va te cacher, comme on te l'a appris. Ne reviens que si je te le demande. Mais maître, j'attends ce moment depuis si longtemps. Laissez-moi me battre! Non. Je vais conduire cet assassin dans les abîmes ancestraux. Tu n'es pas prête à affronter un Sith. Tu n'y survivrais pas. Maris, nous faisons partie des derniers Jedi. Tant que nous restons en vie, l'Ordre continue d'exister. Tu ne dois en aucun cas te faire capturer ou tuer par les Sith. Maintenant, pars. Rejoins le cimetière. Je te contacterai. Non. Ils ne l'ont pas corrompue. Pas encore. Elle a peur, c'est tout. Que la Force soit avec toi, Maris Brood. J'ai repéré ta position. Juste devant, tu devrais trouver une tour fongique totalement creuse. Tu vas devoir la traverser. Autochtone en approche. Je les sens. La force est puissante en eux. Les Féluciens semblent mieux organisés et plus coriaces que ne l'indiquent les archives impériales. C'est l'œuvre d'un Jedi. Maître, je vois des créatures sur mes scanners. De grandes créatures. Près de votre position. Oui, j'avais remarqué. L'exécuteur de Vador. Bienvenue dans les abîmes ancestraux. On y pratique des sacrifices depuis des temps immémoriaux. Es-tu prêt à affronter ton destin? Rends-toi, assassin! Que viens-tu faire là, Sith? Thank you.
Le côté obscur ne pourra rien pour toi dans cet endroit. Tu es l'esclave de Vador, mais tu ne fais que perdre ton temps avec lui. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Ne vous fatiguez pas, je ne trahirai pas mon maître. Pauvre garçon, les Sith finissent toujours par trahir. Mais tu ne tarderas pas à le comprendre. J'ai accompli ma mission, mon maître. Dans ce cas, tu es prêt à affronter l'Empereur à mes côtés. Rejoins mon vaisseau immédiatement. Bientôt, nous régnerons ensemble sur toute la galaxie. Vous êtes sur le point d'accomplir ce pour quoi vous avez été créé, semble-t-il. Oui. Enfin. La flotte de l'Empereur est arrivée. Vous avez fait venir l'Empereur jusqu'à nous. Quand attaquons-nous ? Je ne l'ai pas attiré. Ces espions t'ont suivi jusqu'ici. Quels sont vos ordres, mon maître ? Vous avez outrepassé vos droits, Seigneur Vador. En prenant ce garçon sous votre aile, vous m'avez trahi. Maintenant, tuez-le, ou je vous élimine tous les deux. Maître, ensemble, nous pouvons le vaincre. Faites-le, Seigneur Vador. Terrassez-le, et vous me prouverez votre loyauté. Ne le libérez pas. À vos ordres. Vous ! Vous m'avez tué ! Non. L'Empereur voulait ta mort.
Mais j'ai récupéré ton corps et je l'ai amené ici pour le reconstruire. Pourquoi ? Il fallait que l'Empereur te croie mort. Maintenant, tu vas pouvoir te venger et accomplir ta destinée. Quels sont vos ordres ? Mon maître ? Les espions de l'Empereur surveillent tous mes mouvements. C'est pourquoi nous allons devoir faire diversion. Quelle sorte de diversion ? Un assassinat ? Ça ne suffira pas à attirer l'attention de l'Empereur. Tu dois rassembler une armée pour t'opposer à lui. Une armée ? Oui, une alliance de rebelles et de dissidents. Pendant que l'Empereur et ses espions seront occupés avec eux, nous frapperons. Par où dois-je commencer ? Ton destin est entre tes seules mains. Brise les liens qui te rattachent au passé. Personne ne doit savoir que tu es à mon service. Pars maintenant. Et n'oublie pas que le côté obscur sera toujours avec toi. Proxy ? Ah, maître. Content de voir que vous avez survécu. J'ai cru un instant que je n'aurais pas le plaisir de vous tuer moi-même. Oh, je suis sûr que tu en auras l'occasion, quand on sera sorti d'ici. Oui. Mais avant de vous tuer, je dois tout mettre en œuvre pour vous aider à disparaître. Dois-je préparer le décollage du Rock Shadow ? Oui, vas-y, je te retrouve là-bas. Anomalie du champ de protection des spécimens dans le secteur 10. Les unités les plus proches doivent se rendre sur place. Quel vacarme ! On dirait que la créature de Vador a fait les siennes. Arrête aussi ! Alerte. Défaillance des systèmes de navigation. Je répète, défaillance des systèmes de navigation. Proxy, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai envoyé le vaisseau s'écraser sur une étoile voisine. Quoi ? C'est le moyen le plus rapide de se débarrasser des témoins. Le seigneur Vador a clairement spécifié que personne ne doit savoir que vous existez. Je savais que tu allais encore essayer de me tuer. Maître, dépêchez, nous approchons du soleil. Juno ! Elle doit mourir. Il doit pas arriver jusqu'à elle. Vador a dit que tu étais mort. Mais tu es revenu. On m'a accusé de trahison envers l'Empire. Ça m'est égal, complètement égal. Je laisse l'Empire derrière moi. Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Il y a un problème ? La galaxie tout entière s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Il faut se rallier aux ennemis de l'Empereur et trouver quelqu'un pour m'apprendre ce que Vador ne m'a pas appris. Donc on continue de chercher des Jedi. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Le général Kota ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il ferait partie de mon avenir. Eh bien, j'espère qu'il disait vrai. Direction Narshada. Narshada.
Princesse Leia, c'est un honneur d'accueillir un membre du Sénat. Ne vous moquez pas de moi, Capitaine Stern. Nous savons tous les deux que je suis retenue en otage. On cherche à empêcher mon père de s'élever contre l'Empire. Dans ce cas, la situation est très claire, sénatrice. Tant que votre père tiendra sa langue, il ne vous aura fait aucun mal. Sinon... vous serez la malheureuse victime d'une révolte de Wookiee. Ces esclaves sont des brutes épaisses, vous savez. Conduisez-moi à mes quartiers. Avec plaisir, princesse. Général Kota ? J'ai payé pour avoir cette table alors qui que vous soyez. Foutez le camp ! Je vous ai traqué dans toute la galaxie, de Narshada à Zyost. Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Pas vraiment, mais on doit pouvoir s'entraider, Jedi. Mais je ne suis plus un Jedi. Plus après... ça. Vos yeux ne m'intéressent pas, seul votre esprit compte. Et tout ce que vous pouvez m'apprendre pour combattre l'Empire. Ceux qui affrontent l'Empire n'y survivent pas, mon garçon. C'est quoi, là-bas ? Il n'est pas loin. Il vaudrait mieux que vous ayez tort, Général. Le voilà, là-bas ! On bouge plus ! Juno, il va falloir venir nous chercher à l'extérieur du bar. Maintenant ! J'arrive tout de suite. J'ai problème. Les impériaux, ils sont partout. Tu peux te poser ailleurs ? Il y a un quai d'arrimage sur la plateforme voisine. Général, vous voulez bien presser le pas ? Folie, mon garçon. Les forces de l'Empire sont illimitées. Tu finiras par te faire tuer. Ou pire, et tout restera comme avant. Alors vous préférez croupir dans une cantina plutôt que mourir en héros ? Je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un au Sénat qui pourrait exploiter tes talents au sabre laser. Où est ton vaisseau ? Je pensais que vous étiez mort pendant votre sommeil. Non, mais j'aurais peut-être dû. Nous avons atteint Kashyyyk. Mais cette mission est vraiment trop dangereuse. C'est toute la planète qui est sous contrôle impérial. Votre contact est-il fiable ? Je lui fais confiance. Il m'a déjà fait entrer dans la Cité des Nuages. Et c'est un sympathisant de l'Ordre Jedi. Mais il y a sur cette planète quelque chose qui a vraiment une valeur inestimable à ses yeux. Récupérez-le. Et il vous aidera peut-être à combattre l'Empire. Mais qu'est-ce qu'on cherche ? Patience, mon garçon. On a été repéré ? Non. Le champ de dissimulation est efficace. Alors on se pose. Que dois-je chercher, Général ? Tu le sauras en le voyant. Kota. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Une vieille cabane. L'endroit me semble familier.
Je ressens... la présence des ténèbres. Et de la tristesse. Éloigne-toi. Poursuis ta mission, tu n'es pas encore prêt à affronter ça. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Et comment le saurais-je? Je n'ai plus de lien avec la Force. Mais si tu entres, tu seras tout seul pour l'affronter. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Pardonne-moi, mon fils. Père ? Attendez ! Oh non ! Juno, Starkiller, tout va bien ? On a perdu le contact avec toi pendant un instant. Je vais bien, Juno. Juste un peu désorienté. Bien. Je détecte un vaste complexe impérial, juste devant toi. Ce que tu cherches est sûrement à l'intérieur. Augmentez la cadence, les Je me doutais bien que l'Empereur enverrait un de ses assassins. Ce n'est qu'un sale lâche. Je ne sers pas l'Empereur. Je suis avec Maître Kota. Maître Kota est mort. Tu es au-dessus de Nar Shaddaa. Mon père... Votre père ? C'est le contact de Kota. Depuis quand fournit-il des informations à Kota sur les Impériaux ? Comment le savez-vous ? Maître Kota a survécu, et on l'a envoyé vous chercher. Allons-y ! Je ne peux pas partir tant que la planète est asservie. Si vous êtes vraiment un Jedi, vous mettrez un terme à tout ça. Une fois l'ascenseur spatial achevé, l'Empire pourra acheminer des esclaves Wookiees dans toute la galaxie. Il suffira de quelques jours pour dépeupler des villages entiers. L'Empire en construira une nouvelle. C'est possible, en effet. Mais au moins les Wookiees auront le temps de s'enfuir. Empruntez cette plateforme pour redescendre. Attention, ça va grouiller d'impériaux. Et vous, alors ? Il y a toujours un transport sur la plateforme d'atterrissage. Oui, mais je crois que le pilote est mort. Et pourquoi j'aurais besoin d'un pilote ? Juno, j'ai trouvé ce qu'on cherchait. Parfait, je serai au point d'extraction dans... Attends, je dois d'abord neutraliser l'ascenseur spatial. Je suppose que je ne peux pas t'en dissuader ? En effet. Dans ce cas, je vais voir si je peux te donner un coup de main. Proxy est en train d'accéder au plan. Maître, si vous pouviez neutraliser ce rayon tracteur, l'onde de choc suffirait peut-être à détruire l'ascenseur spatial. Il faudrait commencer par détruire les points d'amarrage. Mais je vous préviens, ça va secouer. Un Jedi ? Pour une surprise, j'ai toujours rêvé d'en ajouter un à mon tableau de chasse. Beau travail, mon garçon. Voilà, vous y êtes presque, maître. Tu es prêt, Jedi ? J'en ai assez de traquer ces sales Wookiees. Attends, on doit pouvoir s'arranger.
c'était qui? La princesse Leia Organa. La fille de Bail Organa. Mon contact au Sénat. Je veux parler à son père. Impossible. J'ai sauvé sa fille sur une planète qui grouillait de Stormtroopers. Tu ne peux pas lui parler parce qu'il est introuvable, figure-toi. Il a disparu, mon garçon. Quoi? Mais quand? Bail a essayé de me convaincre de sauver Leia. J'ai refusé. Et il s'est mis en quête d'un autre Jedi. Maître Shakti. Je lui ai dit que ce serait dangereux, mais il est parti à sa recherche. Seul. Il a disparu après avoir atterri sur... C'est Lucia. La force est puissante en toi, mon garçon. Tu peux lire dans mes pensées. Ce n'est pas très difficile, vieil homme. Alors tu connais déjà ta prochaine mission. Direction Felucia, nous allons récupérer Organa. Mangez, sénateur. Pourquoi me garder prisonnier, Maris? Votre maître trouverait ça totalement ignoble. Vous servirez de monnaie d'échange si Vador me trouve. Taisez-vous et mangez. Et n'essayez pas de vous échapper. Voyez-vous, mon nouveau compagnon ne ferait qu'une bouchée de vous. Sénateur Organa, Maître Kota m'a envoyé vous sauver. Ah, je savais qu'il finirait par se manifester. Mais je pensais qu'il m'en voudrait d'avoir ignoré ses conseils. Il ne l'a pas digéré, mais il veut vous faire la morale en personne. Vite! L'apprenti de Shakti, elle est devenue folle. Toute cette planète est devenue folle. Oh, nous allons bien. Nous avons juste succombé au côté obscur. Allez, écarte-toi! Ne m'oblige pas à te tuer. Tu rêves. Il me protège. Thank you.
D'accord. Tu as gagné. Le sénateur est à toi. Tu n'as plus besoin de me tuer maintenant. Tu es l'esclave du côté obscur. Je vais rendre service à la galaxie. Ce n'est pas ma faute. Shakti m'a abandonné ici. C'est cette planète qui m'a perverti. Elle m'a corrompu. Mais tu peux encore me sauver. Il faut que je quitte cet endroit. Laisse-moi partir. Et je tournerai le dos au côté obscur. Cette fille, elle me rappelle un autre Jedi qui avait choisi de sombrer dans le côté obscur. Tu n'aurais pas dû l'épargner. Vous la croyez libre? Jamais elle n'oubliera ce qui s'est passé ici. Jamais. Se rebeller ouvertement serait trop risqué, Maître Kota. Je sais que je vous dois la vie, mais... Vous ne me devez absolument rien. Dans la Cité des Nuages, je ne peux rien pour vous. Je suis aveugle, ne l'oubliez pas. Il est votre héros, c'est sa rébellion. Rejoignez-nous, il vous le demande. Vous êtes les premiers à combattre directement l'Empire. Mais nous ne sommes pas prêts à partir en guerre. Il nous faut des armes, des vaisseaux et des hommes courageux pour les piloter. J'ignore combien oseront se battre à nos côtés. Mais vous savez que certains n'hésiteront pas. Ah oui. D'autres sénateurs que moi se sont opposés à l'Empereur. Mais ils seront durs à convaincre. Il suffira de leur montrer que l'Empire est vulnérable. Je vais y réfléchir. Je pense pouvoir trouver une cible parfaite. Pendant ce temps, sénateur, contactez vos amis. Nous aurons bien besoin d'aide. Maître, il est ici. Vous avez reçu mon message? Oui, tout se passe bien, on dirait. De nouvelles recrues viennent de rallier ma cause, mais... j'ai besoin de vos conseils. Mes alliés veulent frapper un grand coup contre l'Empire. L'Empereur règne sur la galaxie par la peur. Il faut donc détruire un symbole de cette peur. Les Impériaux assemblent leur destroyer stellaire au-dessus de Raxus Prime. Ce chantier naval sera ta prochaine cible. Merci, Seigneur Vador. Je ressens un conflit en toi. Ton amitié pour tes nouveaux alliés semble de plus en plus forte. Ne l'oublie pas, tu es encore à mon service. Je déteste être lui. Lui aussi, je crois. Maître. Juno. Je suis venu te demander où tu comptes aller ensuite. Mais je pense que je connais la réponse. Juno, ce n'est pas ce que tu crois. Bien sûr que si. Tu es resté loyal à Vador. Il a fait croire à tout le monde que j'avais trahi. Il a essayé de te tuer. Mais tu restes son... Son esclave. Alors pourquoi as-tu défié Vador pour me sauver? Parce que j'avais besoin d'un pilote. On sait tous les deux que c'est faux. Ce n'est pas parce que je sais piloter que je suis ici. Tôt ou tard, c'est toi qui décideras du sort de la rébellion, pas ton maître. Quand ce moment arrivera, rappelle-toi que moi aussi j'ai dû m'enfuir et abandonner tout ce que j'avais. Je t'en prie, ne m'oblige pas à vivre ça encore une fois. Je ne peux pas aller plus loin. Trouve un moyen d'accéder à l'usine de traitement et on pourra utiliser le canon à minerai pour attaquer le chantier naval. Ah !
C'est le rayon tracteur qui détermine l'alignement du canon. Si tu le coupes, cela affectera peut-être le système de tir du complexe. Mon ordinateur tactique, c'est le meilleur moment pour attaquer. Je suis certain de réussir ce pour quoi j'ai été programmé. Arrête, Proxy! Malgré tous tes efforts, j'étais toujours vaincu! Donnez-moi une chance, maître. J'ai un module redoutable que vous n'avez jamais vu. Un ennemi que je garde depuis des années! Un des destroyers stellaires se dirige vers moi. Il faut que je parte d'ici. Tu ne t'en sortiras pas, Adam. Tu dois le faire s'écraser sur le canon. Quoi? Vous êtes fou, c'est énorme! Tu es un Jedi, voyons. Tu sais que la taille importe peu. Utilise la force pour contrôler ce vaisseau, ou tu périras sous un amas de ferraille. Général, je suis là.
Proxy! Tout va bien? Oui, je crois. Mais il serait peut-être plus raisonnable que vous me laissiez ici. Qu'est-ce que tu racontes? L'onde de choc. Elle a vraiment endommagé mon processeur. Mon programme principal a été effacé. Je suis devenu inutile. Proxy, je ne t'abandonnerai pas. Viens. Après ce que tu as fait sur Raxus Prime, l'Empereur est extrêmement contrarié. Les ennemis de l'Empereur hésitent encore. Je commence juste à gagner leur confiance. Si on me surprend en train de vous parler, ou s'ils ont des soupçons sur mon passé, tout ça n'aura servi à rien. Surtout ne tarde pas à me recontacter. Tu lui fais confiance ? Vador ne compromettra pas ma mission, même s'il se méfie. On est arrivé ? On a atteint Corellia. Et ils sont tous là. Bail et ses alliés. La voilà ton alliance rebelle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ? Fais-moi confiance. D'accord ? Je ferai ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. Le temps de la diplomatie et de la politique est révolu, c'est vrai. Nous devons agir. Si tu prends le commandement, nous rejoindrons l'Alliance. Je ferai de même. Vous croyez évanoui dans la soute ? J'ai repris connaissance. Alors c'est décidé. Ma fortune financera la rébellion. Garm nous fournira des vaisseaux et Mon Mothma des soldats. Et avec toi à notre tête, nous avons le pouvoir de la force de notre côté. Célébrons ce qu'il est convenu d'appeler une déclaration de rébellion. Aujourd'hui, nous faisons le serment de changer la galaxie. Pour qu'un jour, la galaxie soit enfin libre. Proxy, coupe la transmission. Prenez-les vivants. L'Empereur tient à les exécuter personnellement. Je te félicite, mon apprenti. Vous ne deviez pas intervenir! Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'Empereur? Pas dans l'immédiat, non. Sans moi, vous ne serez jamais libre. C'est terminé. Vador les a tous livrés. À l'Empereur. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien Vador qui nous a permis d'attaquer des cibles impériales. Il avait tout calculé.
Les crédits, les vaisseaux, les soldats de l'Empire, peu importe les sacrifices. Vador avait besoin de moi pour trouver les ennemis de l'Empereur coûte que coûte. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est entre tes mains. On va chercher Vador. Et les rebelles. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je médite. Les Jedi arrivent parfois à entrevoir l'avenir. Tu as déjà fait ça ? J'ignorais que j'étais un Jedi. Non. Non ! Kota ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Une station spatiale. Gigantesque. Maintiens le champ de dissimulation et reste hors de portée des scanners. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai ? Si je libère les rebelles, il faudra les évacuer. Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Adieu, Juno. Sois prudent. Le faisceau tire à intervalles réguliers. Tâche de ne pas être là quand ça se produira. Juno, où est-ce que je suis ? Dans la zone de convergence. D'après mes plans, il en existe 7 autres tout autour du canon parabolique. Et il y a 64 tubes de tir similaires à celui par lequel tu es entré. Tous ces rayons sont concentrés en un seul. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une telle puissance de feu. Trouve un moyen d'accéder à la plateforme centrale. Le dôme d'observation de l'Empereur est juste au-delà. D'après les plans, cette chambre est équipée de plusieurs faisceaux à graviton. Tu peux trouver un moyen de les activer ?
n'êtes que des traîtres agissant contre l'Empire. Vous serez interrogés, torturés. Vous allez me donner les noms de vos amis et de vos alliés. Et puis vous mourrez. Cela ne fera qu'encourager la rébellion. Vos exécutions publiques serviront d'exemple. Elles en dissuaderont plus d'un dans toute la galaxie. La rébellion est déjà une réalité. Seigneur Vador, occupez-vous de lui. Je t'ai bien formé, mais tu dois encore progresser. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Tu m'as bien servi, mais je n'ai plus besoin de toi. C'est la fin du voyage. Insignifiant. Tue-le ! Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non ! Aide-le ! Mon destin était de me détruire. Vas-y, laisse parler ta haine. Il est vaincu. C'est terminé. C'est un piège. Il est plus fort que vous ne pensez et il mérite de mourir pour tout ce qu'il m'a fait. Peut-être. Mais si tu invoques ta haine pour le tuer, tu auras fait tout ceci pour rien. Vous devriez éloigner Bail et les autres. Je vous rejoins dans une minute.
Alors il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Il devait dénicher les rebelles. Mais son sacrifice va les encourager. Mais maintenant nous savons qui ils sont. Je vais les traquer et les éliminer. Car telle est votre volonté, maître. Soyez impitoyable, seigneur Vador. Si un seul de ces maudits rebelles survivait, cette alliance que nous avons contribué à créer pourrait causer notre perte. Sommes-nous prêts à finir ce qu'il a commencé? Alors enfin, l'Alliance Rebelle est née. Ici. Ce soir. Il nous faut un signe de ralliement. Un symbole. Un symbole d'espoir. Il ne fait plus qu'un avec la Force. Vous avez toujours su qui il était. J'avais des soupçons, c'est vrai. Alors pourquoi nous avoir aidés, après tout ce que nous avions fait? Quand il m'a abordé dans ce bar, parmi ses pensées les plus sombres, j'ai pu entrevoir une lueur d'espoir. Une chose merveilleuse à laquelle il s'est toujours raccroché. Jusqu'à la fin. Quoi? Vous.